nom, c'est Vincent Cournoyer. Je suis membre fondateur de l'Association des Futsal. Dans le fond, aujourd'hui, on est pour le défi futsal primaire Romeo Ford. On est à notre 13e édition. Le défi futsal primaire Romeo Ford a lieu le week-end du 3 et 4 décembre à Saint-Hyacinthe. Donc, c'est un événement qui regroupe environ 64 équipes qui viennent d'un peu partout en province au Québec. C'est un événement provincial. Donc, on a plusieurs catégories au tournoi. On a comme deux sections. On a des classes compétitives et on a des classes festivals. On sait que la Fédération de soccer du Québec tente d'aller vers le 12 ans et moins, vers des festivals. On veut un petit peu la compétition. Donc, on a des écoles peut-être qui veulent juste avoir une expérience à leur enfant. C'est vraiment sous forme de festival. C'est 3-4 matchs dans la journée qui viennent jouer. Il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de classement qui est fait. Puis on a la classe vraiment plus compétitive pour des écoles qui sont plus vers des concentrations sportives. Donc, on a quand même 16 équipes qui sont inscrites dans les classes compétitives. Donc là, c'est vraiment sous forme de tournoi. Le samedi, c'est les qualifications. Le dimanche, c'est demi-finale, finale. Donc, on a vraiment les deux volets au tournoi. Là. Donc, on répond vraiment à un jeune qui n'a jamais joué de sa vie, puis un jeune qui fait du soccer 3-4 fois semaine, vont être très heureux de venir à cet événement. On a pour tous les goûts. Donc, il y a un système de règles. Donc, les équipes peuvent faire jusqu'à 5 fautes, comme au basketball. À partir de la 6e faute, il y a des lancers de pénalité à chaque fois. Donc, c'est une règle très différente du soccer extérieur. Les touches se font au pied. Les relances du gardien de but, c'est toujours à la main. C'est jamais au pied quand il y a un coup de pied de but. Donc, je dirais que c'est ça les gros règlements qui se différencient. Puis, un règlement qui est quand même majeur dans la vision du sport, c'est que le gardien peut avoir seulement une passe par possession. Donc, on veut que le jeu aille vers l'avant. On veut qu'il se marque beaucoup de buts au futsal. Donc, on ne peut pas revenir comme au soccer extérieur, faire 10 passes de suite avec notre gardien si on veut. Le gardien peut faire une passe. Après ça, le ballon, il faut qu'il aille vers l'avant. Donc, c'est un sport spectaculaire. C'est un sport qui se marque beaucoup de buts. Les parents aiment ça. Il y a une belle ambiance. Les jeunes aiment ça parce qu'ils sont impliqués dans le jeu. C'est 5 contre 5. Donc, on peut pas avoir un jeune qui touche pas au ballon comme des fois au soccer extérieur pendant de nombreuses minutes. Le jeune au futsal est toujours impliqué. La pression vient vite. Si vous regardez des matchs sur YouTube ou la Coupe du Monde, c'est très spectaculaire. Puis il se marque beaucoup, beaucoup de buts au futsal. Donc, c'est super intéressant pour un jeune de jouer à ce sport-là. Aussi, ce que vous voyez en arrière de moi aujourd'hui, c'est un match de soccer inclusif. L'association Défi Futsal, avec les fonds qu'on ramasse, on soutient un programme de soccer inclusif afin que des jeunes, par exemple, qui ont un trouble du spectre de l'autisme, puissent participer eux aussi au futsal à leur manière. Bonjour, je suis l'entraîneur de futsal inclusif. Je fais ce travail-là parce que je suis intervenante au quotidien dans ma vie, mais aussi parce que je veux donner des sourires aux jeunes qui ont des besoins particuliers. Je suis une ancienne joueuse de soccer. J'adore le sport. Permettre à ces jeunes-là de faire du sport, ça permet aussi à ces parents-là de voir que leurs enfants sont capables de se développer et de faire partie d'une équipe sportive. Bien, le futsal, en gros, c'est ça, le jeu avec les pieds. Donc, ça vient je dirais, trois sports majeurs. On prend les quelques règles, évidemment, du soccer, c'est le jeu avec les pieds. On prend les dimensions du terrain de handball, avec les buts de handball. Puis on prend des règles aussi du basketball. Par exemple, c'est un sport qui essaie de diminuer le plus possible les contacts. Donc, c'est vraiment un sport inclusif pour les plus grands, les plus costauds, les plus petits. C'est un des seuls tournois qui existe au primaire. Il y a beaucoup de tournois au niveau du secondaire ou pour les adultes, mais pour le primaire, on est vraiment le seul et unique tournoi dans la province de Québec. Donc, c'est une fierté pour nous d'avoir développé. On a développé le futsal, nous, l'association. C'est un mandat qu'on s'avait donné depuis plusieurs années de développer ça au niveau des adultes. Je pense qu'on a bien réussi notre travail, notre défi. Maintenant, il y a plein de ligues un peu partout au Québec qui se créent. Maintenant, on vous l'a dit, mais on veut redonner aux enfants. Les enfants, il n'y a pas beaucoup de choses, pas développé beaucoup pour le primaire. Donc, c'est un des mandats qu'on s'est donné à l'association de développer ça chez les 12 ans et moins. Dans le fond, nous, on commence ici avec les 3e années jusqu'aux 6e années. Donc, on est très fiers de notre événement de pouvoir développer le futsal au Québec avec les plus jeunes depuis quelques années. Là. Pourquoi j'ai décidé d'amener ça un peu à Saint-Hyacinthe, c'est qu'en 2007-2008, j'étais sur l'équipe nationale de futsal. Donc, pendant 10 ans, j'ai fait un peu le tour du monde avec le futsal. J'ai eu la chance de jouer contre Falcao, un des meilleurs joueurs au monde au Brésil. J'étais 4 fois au Brésil. Donc, j'ai vraiment trippé sur le futsal. Puis nous, au Québec, qu'est-ce qu'on faisait? C'est le soccer intérieur. Dans le fond, on a pris les mêmes règlements qu'au soccer extérieur. Puis vu qu'on n'avait pas de dôme, de stade intérieur de soccer à 11, on a décidé de jouer au soccer intérieur dans des gymnases avec un vrai ballon. C'était très dangereux. C'était vraiment pas adapté. Donc, moi, je me suis dit, bien là, le futsal, non seulement c'est un ballon qui est plus adapté pour l'intérieur, les règles sont un peu différentes, il y a moins de contact, c'est moins violent un petit peu que le soccer extérieur. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas amener ça au Québec? On a les gymnases, on a des installations avec les écoles pour pouvoir faire ça. Donc, depuis, je dirais, 5-6 ans, les règlements ont été vraiment adaptés 100% futsal. Donc, on a aidé à faire changer les mentalités puis à développer ce sport-là. Donc, on est quand même très fiers, nous, des futsal, d'avoir contribué
au développement du futsal au Québec. Là. Le futsal s'est beaucoup développé dans les dernières années. On a le tournoi ici pour le primaire. Les écoles secondaires, maintenant, jouent au futsal. C'est plus le secondaire intérieur. C'est rendu le futsal à 100%. Donc, il y a quand même plusieurs milliers de jeunes au Québec qui jouent au futsal. Puis maintenant, avec la fédération, j'ai travaillé un petit peu sur le dossier aussi. On l'offre pour les adultes. Donc, on a vraiment toute la structure primaire, juvénile et senior. Par exemple, dans la région de Saint-Hyacinthe, on peut jouer dans la Ligue régionale, l'association régionale de Richelieu-Masca. Les matchs se font à l'école Saint-Joseph. Donc, c'est le plus haut niveau de futsal dans la région qui joue à Saint-Hyacinthe. Si on veut aller une petite étape plus haut, il y a la première ligue de futsal du Québec qui se fait à Montréal. Donc, il y a un pôle à Québec, un pôle à Gatineau et un pôle à Montréal. Donc, maintenant, là, si un joueur veut faire 100% du futsal à partir de 18 ans, il peut le faire au Québec. Il y a vraiment des structures. Il y a les équipes du Québec. Il y a l'équipe nationale aussi qui est accessible. C'est un Québécois qui coach l'équipe nationale. Ses adjoints sont Québécois aussi. Donc, le Québec, on est vraiment chanceux d'investir et de croire ce sport-là. On est un peu en avance sur les autres provinces du Québec présentement. Là. Donc, comme je disais un peu plus tôt, il y a des équipes qui viennent d'un peu partout au Québec. On a plusieurs équipes qui viennent de Québec, le coin de Lanaudière, la rive nord de Montréal et bien sûr, beaucoup d'équipes de la Montérégie. L'association Défi Futsal a aidé à faire la promotion du futsal au Québec. Si on remonte il y a 15 ans, le futsal était très peu connu au Québec. Donc, nous avons participé avec la Fédération de soccer du Québec à faire connaître le futsal. Puis aujourd'hui, on continue encore en offrant aux jeunes du primaire une belle expérience d'un week-end. Donc, moi, je suis impliqué avec le Défi Futsal depuis 14 ans. Depuis le premier tournoi, j'ai commencé comme bénévole. C'est moi qui s'occupais de comptabiliser les feuilles de match, faire les horaires. Puis, avec le temps, on m'a approché, puis je suis embarqué dans le comité d'organisateurs. Puis aujourd'hui, je suis président de l'association Défi Futsal. Pour moi, ça représente beaucoup, c'est redonner au suivant. Je crois beaucoup aux bénévoles. D'ailleurs, peut-être au Québec, vous allez voir une campagne publicitaire qui s'appelle « Ici, tout prend vie grâce aux bénévoles ». Bien, il y a un petit peu de l'association Défi Futsal en arrière de cette campagne-là. C'est avec le regroupement de l'Action bénévole du Québec que cette campagne-là a lieu. Donc, vous allez voir ça à travers la province. Donc, une autre chose qu'on est fiers aussi de participer. Évidemment, la tenue d'un tournoi comme ça qui regroupe plusieurs équipes, on est sur plusieurs sites à Saint-Hyacinthe, on est dans 5 écoles secondaires. Donc, c'est près d'une centaine de bénévoles qui nous aident tout le week-end. Donc, on les remercie beaucoup. Puis, comme je dis toujours, ici, tout prend vie grâce aux bénévoles. De plus, si vous voulez nous suivre sur nos plateformes, donc nous sommes sur Facebook. Vous cherchez Défi Futsal, Association Défi Futsal. Vous pouvez nous suivre sur notre site web si vous voulez connaître notre mission, qu'est-ce qu'on fait, les activités qu'on fait. Puis évidemment, l'année prochaine, c'est notre 15e anniversaire. Donc, nous essaierons de faire des belles festivités pour célébrer ça. Alors, bonjour. Mon nom est Nathalie Fréchette. Je suis la directrice de Roméo Forbe, de la Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de super défi, qui est le défi futsal. Qu'on vit depuis 3 années, même 4 années, là, étant donné qu'il y a eu une année à cause de la pandémie. Alors, c'est un partage, c'est des moments de bonheur. Donc, une enseignante nous est arrivée avec l'idée de s'associer avec le défi futsal. Mon école a une option soccer. Donc, on était très heureux quand on a reçu ces personnes-là et justement de se dire, OK, on s'implique dans une association et on est là, on y participe. Alors, suite à ça, on a rencontré les gens, on a mis des choses en place. Ils font énormément de travail, ils font des miracles presque pour nos élèves. Mais au-delà de ça, c'est tout un petit travail qui se fait aussi à l'école Roméo Forbe. Donc, un travail d'enseignante, un travail d'élève, un travail aussi pour les professeurs d'éducation physique. Et ben oui, pour la direction, pour les gens du CA qui sont très impliqués et aussi pour les donateurs qui sont en arrière de nous. Parce que sans ces sous-là, ça serait pas possible de le vivre. Oui, le centre de services scolaires et les écoles privées de Saint-Hyacinthe sont là pour nous prêter les locaux, pour nous prêter tout ce qu'on a besoin afin d'avoir une journée fantastique. Mais derrière ça, il y a des membres fantastiques du CA qui ont pensé à tout, qui sont capables d'aller chercher des personnes fantastiques pour organiser, préparer, planifier, penser aux petits repas. Et des bénévoles, naturellement, des bénévoles qui sont là
gratuitement avec le sourire pour accueillir nos jeunes, pour leur faire vivre une fin de semaine fantastique, du bonheur. Même si on n'a pas gagné, l'important, c'est de participer et de vivre des moments vraiment particuliers, des moments fantastiques, je vous dirais. C'est ma première année parce que je suis la directrice de Roméo Forbes depuis le mois d'avril, mais je prends le soutien ou la charge de Mme Chantal Chagnon, qui s'est investie énormément avant moi. Donc, j'espère que je serai capable de bien chausser ces grandes chaussures-là. Cette année, elle était là pour m'aider, me conseiller, mais avec toute l'équipe, je pense bien que ce beau futsal continuera des années, des années, des années. Alors, je vous remercie. Au plaisir, peut-être, de vous rencontrer l'année prochaine où vous pourrez venir assister. Vous êtes toujours les bienvenus à ce défi. Et si vous voulez venir aussi visiter l'école Roméo Forbes et nos classes de concentration sport, il fera plaisir de vous informer et peut-être de prendre vos enfants aussi à notre école. Je suis une ancienne joueuse de soccer. J'adore le sport. Permettre à ces jeunes-là de faire du sport, ça permet aussi à ces parents-là de voir que leurs enfants sont capables de se développer et de faire partie d'une équipe sportive. Donc, c'est pour ça que nous nous impliquons autant auprès de ces jeunes-là. Nous avons des bénévoles déjà impliqués autour de nous et plusieurs jeunes adolescents qui viennent nous aider durant nos pratiques. Donc, je remercie toute l'implication de tout le monde. Futsal inclusif, c'est une place pour s'inscrire si vos enfants ont des besoins particuliers, puis ça permet à ces jeunes-là de faire partie d'une équipe sportive. N'oubliez pas que l'appartenance est très importante dans le sport. Moi, je m'implique depuis un an auprès du futsal inclusif. C'est nouveau pour moi, mais c'est quelque chose de magique. Je remercie tous les gens qui font partie du défi futsal de me permettre de faire jouer tous ces jeunes-là au soccer. Ça fait en sorte que je veux continuer dans ce travail-là comme intervenante, mais aussi de développer le sport dans Saint-Hyacinthe pour des jeunes à besoins particuliers. Mais pour vrai, ma paye, c'est leur sourire et le sourire que je vois dans le visage des parents. Bien, je souhaite bonne chance à tous les équipes, à nos 70 équipes qui sont venues d'un peu partout, qui croient à notre projet. Les écoles reviennent année à année, je pense, parce qu'ils aiment ça. Puis j'ai un petit mot pour remercier nos bénévoles. C'est une centaine de bénévoles pendant l'événement. C'est sur 5 sites à Saint-Hyacinthe. C'est très important pour nous. Sans bénévoles, on sait qu'il n'y aurait pas d'événement. Puis merci à nos partenaires. On est chanceux d'avoir des méchants bons partenaires financiers. Donc, je remercie nos partenaires et nos bénévoles, puis surtout les équipes. Puis je souhaite bonne chance à tous les équipes et à tous les entraîneurs pour une grosse fin de semaine à Saint-Hyacinthe. Merci beaucoup tout le monde.